très content de vous retrouver aujourd'hui sur la folie des sorciers. Dans cette vidéo, je vais vous faire un vlop. Moi, l'anglais, j'ai du mal à parler. C'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais vous parler. Partager avec vous mon premier tatouage. Aujourd'hui, je fais mon tout premier tatouage et je voulais partager ça avec vous. Et je sais pas si je pourrais faire une vidéo filmée pendant. Qui font mon tatouage, je sais pas du tout, je sais pas, et en plus je commence à stresser un tout petit peu, c'est mon tout premier, en plus je le fais dans le cou et ça sera une petite lune. Pourquoi une lune? Parce que ça, mon nom de famille, je vais pas vous le dire, mais dans le mot il y a le mot lune, et ma famille c'est très 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 sacré, et je voulais avoir ce tatouage signifie ça, voilà. Je sais pas, et je vous mets quand même, je vais vous faire voir le résultat à la fin, comment il est, tout ça. Vous inquiétez pas, je le fais dans l'ordre en plus. Et je vous mettrai en barre description le nom du tatoueur, tout. Ça sera, tout sera mis, voilà. Je vous dis pour la suite. Go au tatouage qui est là-bas, sous la pluie. Tatouage aucune douleur, ça a été super vite et je rentre, je sors toute ma pluie encore. Je suis arrivée sous la pluie, je repars sous la pluie. Hi, je suis très contente de vous retrouver au sec parce que en allant en retour, vous avez vu que j'ai eu de l'eau. J'ai pris une averse, voilà. Et j'espère. Que cette vidéo va vous plaire et mon tatouage aussi. Voilà, je vais vous faire voir mon petit tatouage. Si vous le voyez, c'est une petite lune. Je l'ai fait dans l'Orne à Montagne-au-Perche. Le tatoueur s'appelle Le 13. C'est une femme qui m'a fait le tatouage. Et honnêtement, j'ai pas eu de douleur pendant. Ça fait deux petites piqûres. Franchement, la douleur au cou, c'est supportable. Et là, tout de suite, j'ai pas mal. C'est un petit peu après, ça m'a fait un peu de douleur, mais la douleur était supportable, honnêtement. Et aussi, j'aime bien dans ce tatouage. Désolée, je suis dans la chambre de ma cousine. Quand vous avez fait un premier tatouage, il vous donne une feuille pour vous expliquer. qui vous explique comment entretenir son premier tatouage, les conseils à faire, les trucs interdits à faire pendant les premiers jours. Et je vous mettrai à la fin en image la feuille, des fois. C'est bon à savoir, je pense. Et aussi, vous avez vu, c'est un petit pansement qui m'a mis transparent. Et si vous n'avez pas vu le tatouage, je vous le mettrai en photo aussi. Voilà. Si vous voulez savoir le prix pour la taille que j'ai. C'est une taille, c'est un tout petit, c'est 70 euros. Voilà, il n'y a pas plus cher, il n'y a pas moins cher parce que c'est les prix hein, dans un tatoueur. Si vous faites ça chez vous, je pense que c'est moins cher. Mais c'est les prix, honnêtement, c'est les prix. J'en ai fait pas mal pour avoir les prix et c'est toujours les mêmes. Moi, c'est une amie qui m'a conseillé d'aller là-bas et j'ai été. Mais honnêtement, je ne suis pas du tout déçue. Elle est super. L'hygiène, il y a de l'hygiène, je vous l'assure, vous explique tout à la fin, tout. Bon, je vais dire la vérité. Le tatouage a voulu me faire à penser que c'était derrière l'oreille. J'ai dit non, moi c'est dans le cou que je le veux. Et elle m'a dit, pour les premiers tatouages, elle n'aime pas, pour nous premiers, elle ne veut pas que ça se voit, elle veut les faire cacher. Voilà, pour elle les premiers tatouages, c'est le premier, on hésite, tout ça je pense. Et moi j'ai dit non, moi je le veux comme ça, dans le cou, comme l'image que je vous fais voir. Elle a hésité, mais elle me l'a fait quand même, hein, la preuve, elle me l'a fait, hein, ça moi. Voilà, elle a hésité beaucoup, et j'ai dit, j'ai 21 ans, je suis majeure. C'est pas un tatouage que j'ai pris hop en coup de tête, c'est un tatouage que ça fait longtemps que je veux. Hein, ça a dû... Depuis la troisième, je pense que je le veux celui-là. Ouais, depuis j'ai l'âge de 15 ans que je le veux. Et aujourd'hui, j'ai pu le faire. Voilà. Bon, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker. Mettre un commentaire si t'as un tatouage, combien de tatouages que t'as. Me dire, t'as fait quoi toi pour ton premier tatouage.
N'hésite pas, mets un commentaire. En barre d'infos, je vous mets son Facebook, son Instagram si vous voulez voir les tatouages qu'elle fait. Et voilà, abonne-toi et like la vidéo. J'espère que mon premier vlog, non, vlog, pardon, bah t'a plu. Voilà. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo sur la folie des sorciers. Allez, bye!